Et salut à tous, c'est Usu, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Crusader Kings 2 avec l'Union Slave. Et aujourd'hui, juste avant de commencer, je regardais sur quoi j'allais partir. Je fais ça. Et j'ai vu revendication du jour. Oh cool, deux provinces. Oh cool, la moitié de son pays. Donc voilà, on va partir rapidement sur cette guerre. On attend juste un peu, on a plusieurs choses. Ici, je pense que c'est en cours de construction. Non, donc on va aménager un manège byzantin. Ok. Je dois calmer des choses un peu ici avant que ça ne parte trop en cacahuète. Donc toi, je peux t'envoyer 15 pièces. Félicitations, t'as 15 pièces. Très bien. On attend juste de faire remonter nos troupes, mais là je pense qu'on aura bien avancé une fois qu'on aura pris tout ça. Tout ça sans oublier qu'on aura dans 10 ans une guerre contre lui possible. Lui une guerre, je sais plus, c'est maintenant. On va commencer par ça, non? Ce serait plus simple. Commençons par lui. Toi, je pourrais faire que des guerres simples, donc on s'en fout un peu. Mais oui, commençons par lui. Déclarer la guerre, conquête. Hop, je lève. 200 troupes d'ici et 100 troupes d'ici, c'est pas énorme. Et allons-y, 200 troupes d'ici. J'appelle tous mes alliés. Pour ceux qui le veulent, en tout cas. Mais là, quand on va prendre Vladimir, ça va faire un gros bout. Je rappelle que Royaume de Ruthénie, tiens. On pourra le créer aussi après. Hein. On pourra le créer. Quand on aura l'argent. Malheureusement, on n'a pas l'argent. Mais ici, on en est à 62%. Il en faut 80. Avec la moitié de ça, plus toutes les petites conquêtes qu'on fera à côté, on devrait s'en rapprocher, j'espère. On dira à tout le monde de s'accrocher à mon armée. Voilà, et on va partir. Non. Hop, hop, hop. Oh mince, putain, je viens vieux en plus. Pas le moment que je meurs. Non. Je gaspille pas mon argent pour une expédition. Mais j'ai dit que je gaspillais pas mon argent pour une expédition. Pourquoi t'es parti en expédition? Oui, on a 100% victoire. Ça me fait trop de terre. Et patati et patata. Duché de Jure, ça fait pas appartiendra à lui, on va le donner à lui. Non, on va le donner à lui du coup. Et on va y construire un manège byzantin aussi. Je vais changer, ça je vais mettre ceci pour avoir plus de santé. À moins qu'il y ait autre chose qui donne de la santé. Diplo, santé plus 1. Ouais mais ça donne fertilité. Ah, santé plus 1 en théologie. Ouais, on va prendre théologie alors. Oh merde, trop de terre encore. J'ai quoi comme terre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai celle-ci. Pourquoi je la garde? Je ne sais pas. Partie de cette province-ci. Je peux la donner à lui. Ah non, d'accord, c'est parce que j'ai pas Vladimir que je la garde, ok. Je vais la donner à quelqu'un, je vais la donner à lui. Accorder un titre foncier. Gros dettes.
Un régent désigné, on va nommer toi. Je me suis fait un ami, d'accord. Constituer un trésor de guerre. J'y crois pas trop. Bon bah lui il est mort. Hop ici, que puis-je faire? Organiser une fête, non merci. Est-ce que tu es dans... Tu n'es pas contre moi. Donc je peux te déclarer la guerre et revendiquer Vladimir. L'état de mes troupes. On va attendre un peu. On est alliés, nous, je pense, hein, c'est ça. Proposer une vassalisation, tu ne veux toujours pas. Forger une alliance, tu ne veux pas. Non, 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 non. Commandant, on va les assigner automatiquement. Voilà, comme ça, plus de soucis. Un intendant, toi ici, en loi, est-ce qu'on peut changer quelque chose? Organisation tribale ou centralisation? Centralisation non, mais organisation tribale, on peut, on va le faire. Et normalement, il y a plus de lois au conseil, c'est ça. Bien, ça se convertit, c'est très bien. On a combien là? Ah, il y a toujours pas assez. Celle du sud, non. Juste lever des armées du nord. Je l'impressionne avec de vagues promesses. Non. En cours. Ah, l'autre est bientôt fini. C'est fait. Offrir paix. On y va. On est à combien d'hommes ici? 2000. Je peux y aller. En plus, il y a un enfant. Hop. Je ne vais lever que celle du nord, comme d'hab. Et j'ai envoyé ici. Objectif, avoir de quoi former l'Empire. Mais l'Empire, il me faut plein de pièces après, donc faudra piller un maximum les voisins. What? Non, j'ai demandé pour Vladimir. Donc c'est pas juste tous dalle. Ça, ça fait bien partie de Vladimir. Ok, non. Sinon, c'est de l'arnaque. Et on va pas m'arnaquer comme ça. Oh. Hop, 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 hop. Allez, venez. On met les généraux à la tête. Toi, toi et toi, super. Tu vas où? Nice, on va intercepter l'armée qui arrive ici. Nickel. Tac, tac, et puis on vient là et puis on prendra ça. Et je pense que ce sera suffisant une fois qu'on aura tout pris.
Quoique, il y en a qui reviennent en arrière. Nettoyage de printemps. C'est fait. Zone suivante. Bien. Ah, ça va jusque là. C'est pas ces deux-là, mais ça va jusque ici. Au pire, on peut tout prendre, ça nous fait de la thune. Oh, des prisonniers à libérer. Hop, ici. Toujours pas? Ah bah on va tout faire. Si ça, ça ne passe pas, on devra faire plus. Quoique ici, ça risque d'être chez nous, donc on pourra, mais... Oui, de l'or. On continue, on ne s'arrête pas. Roi de Serbie, j'accepte. On s'en fout un peu. Et là, on t'offre la paix. Et j'ai trop de terre, je suppose, hein, mais normal, ça arrive. Alors, si je regarde... ça, je vais te le donner à toi, accorder un titre... Tu es quoi? Non, toi, tu iras te faire voir, je vais le donner toi, mon fils. Non, pas royaume de Vladimir. On va commencer par Nijni Novgorod. Ensuite, on va t'accorder Vladimir. Vladimir province et pas Vladimir royaume. Ensuite, accorder un titre foncier Souzdal. Et ensuite, Peroslav. C'est ça, c'est Pereslav Zaleski. Voilà. Organiser une grande fête. Non, merci. Par contre, je veux voir mon empire russe. 68% seulement. Avec tout ce qu'on a pris. Eh ben, on n'en est pas sorti. Hein. Déclarer la guerre. Ou alors, créer Tchernigov. Mais juste pour ça, Tchernigov. Jusqu'à quand on peut lui déclarer la guerre à lui? Dans longtemps, en fait. J'allais dire dans pas longtemps, mais si, dans longtemps. 4000 plus... Ouais, il peut avoir 10 000. Est-ce que je peux te redéclarer la guerre? Pas avant 4 ans. Toi, ici, déclarer la guerre, je pourrais... Non. Sûr que tu veux pas une vassalisation? Bon, on va déclarer la guerre ici... conquête de ceci. Mur et fossé, félicitations. Et l'autre. Mur et fossé, félicitations. Et toi, donc, ici, déclarer la guerre. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie parce que c'est lui qui a le plus gros, mais bref. On est bien, on peut pas se battre et tout ça. On va appeler tous nos alliés. Donc... Lui, ce sera plus compliqué. On espère qu'il aura une guerre ou un truc comme ça pour prendre un gros morceau. Genre le morceau ici. Je vais faire venir des compteurs. What?
D'où il sort 2000 troupes alors que les 2000 sont pas censés m'attaquer. Encore une fois, un petit souci du jeu. Mais on a des renforts, donc. On y arrive, on a réussi. L'héritier du royaume de Poméranie. Non. Tant pis. Bon, on mange tout ici. Non, j'ai besoin d'un régime. Offrir paix. Trop de terre, oui, mais ça, ça va appartenir à un nouveau vassal. Hein. Du coup, ce sera tout ça. Donc, trouver des personnages, charger le filtre 0. Un personnage diplomate. Toi, accorder un titre foncier. C'est quoi ça ? Yeletz. Ah ben non, c'est pas à moi. Ce que je viens de prendre. Pourquoi tu me dis que j'ai trop de terre? Si ce que je viens de prendre n'est pas à moi. Ah non, j'ai pris ça. Et ceci, ça fait partie d'autre chose. De ça, donc ce sera pour... lui. Accorder un titre foncier. Serubkov. T'as pas envie de mourir, non? Que je vienne te m'occuper de toi et toi ici. Ouah, je suis une menace à 25%, wouhou. Non, pas de grande fête tribale. Par contre, je vais attendre un peu, je vais lever mes hommes et on partira piller les trucs aux alentours. J'ai 70%. Youhou. 80%. Je vais regarder. Hein. Empire de Russie. 90 provinces. Donc, on regarde. On fait 90. Divisé par 10, ça fait 9. Fois 8. 9 fois 8, 72. Donc, il me manque 9 provinces. Toi ici, la prochaine fois, je pourrais t'en prendre 2. Toi, 1. Donc ça m'en fera 3. Toi, 2 aussi. J'ai pas le choix, je vais rompre le pacte. Non. Ou toi, on peut te faire tuer. Ah, si on peut, on en profite, on fera une deuxième, puis une troisième, et puis on fera plein de guerres comme ça. En attendant, moi, j'ai levé ceci. On va partir piller. Et chaque pièce que je pourrais prendre sera utile. Je l'impressionne avec de vagues promesses, comme d'hab. Alors, on peut se faire 6 pièces aussi. Forgeons une nouvelle amitié. Oui, c'est très bien, ça te forger des amitiés. Oh, fuck. Allez vous en occuper.
Moi, je peux pas, je suis en train de piller. C'est ça, allez, tous... Affaiblissez-le comme vous pouvez. Là, on ne peut plus, donc on a dit ici, et ensuite on ira sur lui, puis lui, puis on viendra de Jérémy, sinon qui a été fait, puis on viendra là, là, qui doit avoir beaucoup de pièces. Tu te fais attaquer par qui? Oh, mais non, c'est pas possible. Donc c'est plus... D'accord, on va... On termine de piller et puis on rentre nos troupes et puis on part en guerre contre ici pour la partie suivante. Ah, il a perdu son cette zone et lui il est quoi? Mordovie. De jure. Oui. Why not? Et on a dit qu'il faudrait combien de pièces pour l'Empire russe? 400 pièces quasiment. Hop. Voir, ok. Donc, toi, bonjour, déclarer la guerre. Conquête de Toula. Hop, j'appelle tout le monde. Ah oui, mais il y a tous ceux... D'accord, il y a tous ceux qui étaient en... Ça devrait quand même aller vite. On va prendre la province qui nous intéresse et après ce sera bon. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Boum, 45% de victoire. Et merde. Et pas merde. Ben non. Toi qui dois être leur chef, déclarer la guerre, libérer le Riazan. Combien d'armées? 2000 plus... Ok. Donc, c'est bien ce que je dis, déclarer la guerre, libérer Riazan. On devrait attirer encore plus de monde. Je vais baisser celle du nord. Pour une fois, j'ai levé les armées du sud. C'est qui, roi de Bohème? On va accepter pour avoir une alliance. Non. Chancelier, 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 toi. Tu es le prochain qu'on doit essayer de tuer. Est-ce qu'il y a moyen? Pas vraiment. Est-ce que toi... Ce sera pas moi ton héritier. Est-ce qu'il y a moyen de te faire tuer? Non plus. Et lui, on doit presque plus attendre, donc ça devrait le faire. T'as sollicité tes vassaux, je suppose, mais on s'en fout. On va te démonter. Je vais sur le suivant. Et c'est qui? Quel connard qui me déclare la guerre? Ok. Fait chier, mais on va s'en sortir. On va appeler également tout le monde. Si je gagne contre toi, tu devras m'offrir 100 pièces. Très bien.
Bon, on va aller là-bas. Ah, t'as 3000 troupes. J'ai besoin de... Ça. Ouais, allez, on va descendre. On va dire à tout le monde du coup de se coller à moi. Ah là, il y a moyen de réussir. Venez en aide. Eh ben merci pour l'aide. Ah, mais ça d'où tu sors? Je te clique pas dessus. Hop. Ok, une fille. On va venir s'occuper d'eux juste après, hein, mais d'abord faut que je prenne ça, faut que j'ai une victoire et que je reprenne la zone. Allez, des renforts. Et fuck, comment on peut perdre face à ça, franchement? Allez, on est 3 contre 1, ça devrait le faire, là même. À un moment, je veux bien, mais... Allez. C'est bon. Repousser. Et bien maintenant on doit tout récupérer. Accepter. Ici je vais prendre l'égalisme. Ici je vais mettre un conseiller qui m'apprécie toi. Je vais dire à tout le monde de... Non, pas à tout le monde, mais à la moitié de l'armée de se barrer. Je garde ça, allez hop. Il est pas censé être plus... Après, il est... c'est beaucoup de cavalerie, donc c'est ça, ils ont un avantage avec ça. C'est vrai. Je ne dois pas rager là-dessus, c'est normal. Enfin, c'est normal, à un moment... C'est chiant, mais... Hop, on va lever... Pas le reste de mon armée, si, on pourrait. Hein. Moins 57%, comme ça, juste parce qu'il a pris une province.
C'est le moment de faire une putain de rébellion de prêtres catholiques que j'ai déjà éclaté 50 fois. Sérieusement. Oh, il se fait défoncer la gueule. C'est quoi, je suis même prêt pour t'accorder une paix blanche. Vu que tu te fais exploser, je suis prêt à te l'accorder la paix blanche. Quoique non, on va aller sur Bolgar. Plus je vois même pas comment il peut réclamer ça, hein, vu que... Ah, c'est parce qu'il est en révolte, mais même, il est pas censé pouvoir. Non, ça... Ah, c'est déjà... Non, c'est pas encore en cours d'occupation. Allez. On peut pas s'en occuper. On va avoir une paix blanche. Là, on pourra pas. Paix blanche, on peut aller. Hop, on va s'occuper de eux. Et ensuite, on va finir notre guerre pour ça. Là, on l'a presque fini, d'ailleurs. C'est une bonne chose de pouvoir presque finir cette guerre. Sans, en ayant juste pris ça, ils battent une fois leur arme. Bon, bah, on va rester là. Ouais, je m'en doutais. Et hop, une deuxième rébellion. Mais oui, parce que j'ai que ça à gérer. Et ils sont en train de tout récupérer. C'est bien relou. Bon, je vois qu'on arrive. Je vais essayer quand même de reprendre ça, d'aller finir le souci des rébellions. Que tout le monde revienne se coller à moi, du coup. Hop. Mais pourquoi vous êtes en... Attends, vous êtes qui? Vous êtes lui? T'es son allié? Ou une connerie comme ça? Ça doit être le cas, mais... Hop, une de fini. Offrir paix. Au revoir. Exécuter. Ah, victoire. Offrir paix. Riazan. C'est pour lui, hein. Accorder un titre foncier. Non. Je ne peux pas. Que c'est accorder un titre foncier, je m'en fous. Va dire. Pronsk. Pourquoi je peux pas lui accorder les trucs qui lui appartiennent? Genre ça. Ah, parce qu'il y a déjà. Okay, c'est un vassal. Juste comme ça, on est arrivé à combien de pourcents de l'Empire russe? 73. Et nous, on va se laisser ici. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Sinon, laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires. Je les lirai et répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, mais également les autres séries sur la chaîne. Sur ce, on se laisse. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.